Alors bonsoir, entrons dans le vif du sujet. Que représente pour vous ce prix Henri Langlois ? Je trouve que c'est un prix vraiment très intéressant. Henri Langlois était un personnage tout à fait essentiel pour le cinéma. Et donc ce prix qui date de maintenant depuis quelques années, qui se passe en général à Vincennes, aujourd'hui à l'UNESCO, est juste un formidable prix de plus qui a lieu en France. Et on a beaucoup de chance de l'avoir. Alors vous le disiez, enchaînement parfait, nous sommes à l'UNESCO ce soir. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à celles et ceux qui agissent au quotidien pour la liberté d'expression et le patrimoine culturel ? Bien sûr, continuez vos actions. Développez ces actions non seulement en France, mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation qui peut faire peur à certaines personnes, on a tout intérêt à se développer dans le monde, à garder son identité, mais à être international. Et voilà, je suis pour le développement de la culture dans le monde. Moi-même, par exemple, je m'occupe du livre audio en général. Et donc, j'organise à West Hollywood la première nuit française du livre audio à la West Hollywood Library. Donc, je suis pour qu'on continue à développer nos activités françaises à l'international. Alors, beau projet. Pas livre audio, mais cinéma. Petite question. Le cinéma a toujours été un pont entre les cultures. Quel est, selon vous, le rôle du cinéma dans le monde d'aujourd'hui ? Le rôle du cinéma dans le monde d'aujourd'hui, c'est une grande question. Vaste question. Alors déjà, elle est de continuer à faire rêver les gens, et on peut également faire passer des messages parce qu'il y a différents types de cinéma. Et donc le rôle du cinéma, il est de faire rêver, de développer des passions et également de donner des messages importants. Voilà, pour moi c'est ça. Moi, le cinéma a toujours fait partie de ma vie. Donc, Alors transition parfaite, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait rêver et où vous inspire ? Justement, le cinéma et toutes les autres formes d'art, notamment l'art contemporain, la peinture, la sculpture, les performances, les installations, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.